Les hommages ne se sont pas fait attendre. Lundi 11 décembre, le cercueil de Johnny Hallyday était inhumé au cimetière de Lorient, à Saint-Barth. Ses proches, sa femme Laetitia et ses enfants David et Laura étaient présents pour dire un au revoir à leur ami, époux et père. Mais un dernier au revoir des fans et admirateurs du chanteur également. Dès le départ du clan Hallyday, ils étaient nombreux à se recueillir sur la tombe de la légende de la chanson française. Dans ce petit cimetière marin, les bouquets de fleurs et les bougies colorent le lieu situé à quelques pas de la plage et de la mer. Les curieux ont sorti leur appareil photo pour prendre en photo la sépulture, modeste. Johnny Hallyday souhaitait faire les choses simplement. Laetitia, elle, a tout fait pour écarter la tristesse. La maman de Jade et Joy a demandé aux personnes conviées de porter des vêtements de couleur blanche. Vêtue d'une longue robe, l'épouse du rocker disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre n'a su retenir ses larmes lors de la cérémonie. Au premier rang avec sa belle-fille Laura derrière le cercueil porté par les pompiers, elle a accompagné l'homme qui lui a redonné goût à la vie, jusqu'au bout.